Oui. 1, 4, 5, 0, 3, 7, 6, 3, 1, 4, 2. Oui. Bonjour, papa. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. J'ai de la visite, là, puis on n'était pas parlé des enfants, des familles, de qualité, de faux. Avec qui vous êtes? C'est quoi la belle visite? Ouais. C'est qui votre visite? Hein? C'est qui votre visite? Je suis né en 1919. Vous êtes né à quel endroit? À Saint-Moïse. Saint-Moïse. Dans la route paradis. Puis que vous avez eu combien d'enfants? Ben j'en ai 19. 19 enfants? Oui. Toutes de la même femme? La même femme, puis 3 fausses couches. 3 fausses couches? Oui, oui. Fait qu'en réalité, elle en aurait eu 22. Hey. Puis votre travail, qu'est-ce que c'était? Tout ça. Dans le bois, sur la terre, j'étais 32 ans cultivateur. Et en dernier, j'étais 25 ans fonctionnaire provincial. J'étais pas complètement contre-maître, mais j'étais un chef d'équipe en structure et en construction de routes. Donc, vous occupiez de construire les routes et réparer les routes. C'est ça, oui. S'il y avait une route à tracer, à réparer, c'était moi. J'ai grandi, moi. La paroisse qui s'appelle Saint-Noël aujourd'hui. À Saint-Noël. C'était Saint-Maurice, station. Tu sais, j'ai commencé l'école là, à l'âge de 6 ans. Après ça, on va en mouver à Presse. Ouais. À Presse, là, j'ai été 7 ans aux études. Avec les religieuses, je suis revenu à Saint-Maurice. J'avais comme instruction une 9e année, un certificat de 9e année. Qui pouvait être, dans le temps, comme un certificat pour une maîtresse d'école ou un professeur. Quand j'avais mouvé à Saint-Maurice, ben j'avais 13 ans. À 13 ans, là, j'avais mon père, ma mère, mes deux frères, ma soeur. J'avais deux soeurs, mais l'autre était religieuse. Ça, j'avais les deux vieux, mon grand-père, ma grand-mère. J'étais dans 80 ans, tous les deux. Vois-tu, la pension de vieillesse a sorti en 1937. Avant ça, les trois vieux, je les gardais comme ça pour avoir. En 1937, le gouvernement a passé la pension de vieillesse. Mais ça faisait 3 ans que j'avais les vieux, moi, à char, chez nous, en plus des autres. Et j'étais responsable de ça, jeune, moi. En plus de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs. Fait que vous vous occupiez. J'étais responsable de tout ça. Par chance que quand j'ai sorti d'école en Presse, j'avais la même chose qu'un professeur ou une institutrice du début des années 30 comme instruction. Alors j'étais capable de, tu sais, j'arrivais à Saint-Maurice, puis il y avait dans le temps des catalogues, là, Simpson et Eton. C'est en anglais.
Et moi, j'étais capable, quand il y avait des lettres, j'étais capable de traduire. De traduire ça en français. Dans le temps. C'était une responsabilité que j'avais, ça. Oui. Ma vie, elle a été belle en longueur. Les moments que j'ai aimés, c'est quand j'ai été aux études. Après ça, je me suis mardé. On a élevé une famille dans le chant puis dans la musique. Moi, j'ai rien à regretter, pas tout dans la vie. Même, c'est le contraire. Si on pouvait, si la société pourrait être capable de revenir à vivre, comme dans les années, comme on vivait nous autres, dans les années 40 et 50, ça changerait beaucoup de choses. Vous pensez que la vie était meilleure dans ces années-là? Ah oui, ah oui. Ah oui. Un bon souvenir de ce temps-là, qu'est-ce que ça serait? Ben, c'est quand j'ai sorti avec ma femme. Avec votre femme? Oui. Ça, c'est un beau souvenir, ça. Ben oui, elle s'est trouvée. Elle a été élevée le deuxième voisin de moi. Fait que vous l'avez connue, elle habitait à côté de chez vous. Je l'ai vue grandir. Puis à 18 ans, j'étais le compagnon de travail de M. Beaudieu, le père d'Adrienne. Alors, on s'était connus, puis je connaissais, j'ai vu grandir Adrienne, tranquillement. Puis alors, j'ai 18 ans, j'ai dit, viens-t'en. C'est là qu'on a élevé 19 enfants. Adrienne, c'était votre voisine. Oui, c'était le deuxième voisin. Puis son père, c'était mon compagnon de travail. Et le printemps, je travaillais avec lui dans le bois, l'automne. Ah oui, c'était mon compagnon de travail. C'est un gars, ça buvait pas rien. C'était vaillant. Et, ouais. C'était un vrai compagnon pour moi. Fait que la c'est première. C'est là que j'ai vu grandir Adrienne, tranquillement. Quand tu as eu 18 ans, viens-t'en. C'est là qu'on a élevé nos 19 enfants. Puis Adrienne, vous l'avez invité la première fois dans une soirée? Absolument. C'était dans une soirée de famille, là. Puis je l'ai embrassé en sortant. Ah ah! Là, ça a été le départ. J'ai continué, moi, là, à aller chez eux, puis là, je me donnais très bien. Avec la mère d'Adrienne, parce qu'elle avait une certaine instruction et une très bonne éducation. Alors ça a aidé Adrienne et ça m'a aidé moi aussi. Vous êtes né dans la même maison? Oui. Qu'Adrienne? La même maison et la même chambre. Et la même chambre? Oui. Puis, Monsieur Beaudieu venait de se marder, puis ils ont eu Adrienne. Tu sais. Puis moi, j'étais venu au monde là, moi, là. Puis Adrienne est venue au monde, à la même chambre que moi. Est-ce que vous vous souvenez de la naissance de votre premier enfant? Ah ben, hey, Monsieur Beaudieu puis Madame Beaudieu, écoute un peu, hey, un bébé, il était grand-père, aux autres, là, on marie. Une petite fille blonde, puis hey, c'était quelque chose pour eux autres. Fait qu'Anne-Marie, c'était votre première fille. C'est ça, la première enfant, c'est ça. Anne-Marie. C'est qui votre deuxième enfant, c'est qui? C'est Jean-Guy. C'est Jean-Guy. Est-ce que vous vous souvenez de quand il est né? En 1946. 1946. Il est né en 1946. Est-ce qu'il faisait beau cette journée-là? Il faisait beau, mais il faisait fret. Il faisait fret. Hey. Hein? Dans quel mois il est né? Il est né l'hiver? Février. Février. Oui. J'ai dit qu'il faisait pas chaud. Il faisait pas chaud?
Puis la première, Anne-Marie, quand elle est née, c'est moi qui ai été chercher la garde à Redemption pour elle. Puis à son tour, mon voisin, Paul Bouchard, a retourné, lui, pour... ouais. Quand ça a été le tour de ton mari, ma fille, il y a Marie-Paul Bouchard, qui est de la même âge qu'on marie. Ça faisait le même mois. Fait que c'était tout ensemble. Là. Dans le temps, les voisins, c'était comme des parents. Et Carmen, c'est la troisième. Oui. Elle passe à une école. Puis Carmen, est-ce que vous vous souvenez quand elle est née? Elle passe à une Nicole, Micheline, Jacqueline, Andrea, là, ça va. Il y en a eu tout plein. C'est de la gagne. Ben, comment on avait surtout de drôle, c'est que cette gagne-là, là, surtout que ceux qui avaient, là, ça allait aux fraises. Ils ramassaient des fraises. Puis on avait, on avait un gars, Camille Veilleux, un des formans au ministère des Transports. Il venait chez nos fraises. On vendait ça 20$ pour un chiot. Fait qu'avec les enfants, c'était le fun. C'était drôle de ramasser des fraises. Avec les enfants, là, puis... ouais. Puis il y a Jean-Guy. Ben lui, ça a été toute sa vie un malcommode. un joueur de tour. Puis ça a été surtout un bon cuisinier. Ouais. Carmen, ben c'était une bonne femme. En plus, c'est la grand-mère des deux petits de la cinquième génération. Vois-tu? Puis elle parle beaucoup, puis c'est vaillant. Puis... ah oui, ouais. Carmen, on ne peut pas faire autrement qu'elle l'aimait. Elle est rendue, c'est la grand-mère de nos deux, de cinquième génération. Alors, elle est importante. Elle a de l'importance pour nous autres. Carmen, je t'aime. Après ça, comme Nicole. Nicole, ça, tout jeune, ça, elle était habillée de façon, il fallait que comme une grande madame. Elle était fière, puis écoute un peu. Ouais. Puis l'autre, après, Micheline, ben, c'était vaillant, mais c'est bon, tout le temps après, à aider, puis ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Micheline, je t'aime. La petite façon de sourire, là, puis de te coller le long de ceux que t'aimes. Continue. Ils sont so contents de voir qu'ils sont aimés. Par toi et par les autres aussi. Parce que Micheline, c'est une très bonne femme. Une très bonne fille. Je t'aime beaucoup, Micheline. Et puis les autres en descendant, ben, c'est pareil. Dans les autres enfants... les garçons, les filles, c'est pareil. C'était des gens que tu peux rencontrer. Puis avec de bonne humeur, parler avec, t'as pas de problème de leur vie. Puis ça va très bien. La famille va très bien. D'ailleurs, ils ont été élevés dans le chant et dans la musique. Toute la gang. Il y avait trois chanteuses. Dans les années 70, du temps de Jean Brisson. Ensuite, il y avait deux joueurs de guitare. Il y avait Gilles, la sœur, il y a Gino. Après ça, il y a Gracien. Ils ont été élevés dans le chant, puis dans la musique, ma famille. On ne pouvait pas avoir mieux que ça. Trois chanteuses, puis deux joueurs de guitare. Alors, il y avait ce qu'il fallait. Et il vous restait seulement qu'à danser. Est-ce que vous vous souvenez d'Andrea quand il était jeune?
Andrea. Oui. Était un peu autrement des autres. Et ça l'est encore. C'est dans sa façon de voir les choses, puis d'agir, là. C'est pas comme... c'est pas comme les autres. C'est un peu particulier. Elle attend d'être sûre quand elle décide quelque chose. Ah oui, puis elle n'a pas le temps d'étudier quelque chose avant d'agir. Elle ne fait pas les choses à peu près. Fait qu'elle fait pas les choses à peu près. Ben, elle est franche. Ça, c'est certain. Quand elle dit quelque chose, c'est pas à peu près. Je t'aime. Vas-y. Jacqueline. Et je ne vois pas pourquoi. Quand tu n'aimerais pas, Jacqueline. Avec toutes les. Que tu fais. Comme traitement. Comme mère de famille. Tout ça. En tout cas, je te félicite pour ton travail. Quand tu nous donnes des traitements. Et je te remercie beaucoup. Et je t'aime. Ginette, on t'aime. Parce que t'es bonne chanteuse. Puis t'es un peu froufrou. T'es un peu froufrou. C'est le même qu'on te connaît. Alors, Ginette, on t'aime. On a juste un tube ce matin. Ah, ça va se prendre un autre prise de sang. Ben oui, on n'a pas le choix, monsieur. Hey. C'est Dr. Tran qui demande ça. Ah, ça. Hein? Il a demandé ça pour 7 jours consécutifs. Ça va venir plein. Serrez votre poing un petit peu, monsieur. Serrez votre poing. Les veines sont fatiguées. Ils n'y veulent plus. Desserrez votre poing. Ensuite? Après ça, elle a eu Gracien aussi. Elle dit je t'aime. Après ça, Daniel. Daniel et Gracien, c'est les deux qui s'occupent de moi. En santé et en affaires. À l'heure actuelle, je peux pas faire autrement que les aimer eux autres aussi. Hein? Lucie. Lucie. Elle parle beaucoup, mais c'est pas pour ordre. Elle est bien placée pour aider aux autres, surtout à son mari. Après ça, aide aux autres enfants,
Après ça, à moi-même. Moi-même, quand j'en ai besoin, elle me donne un traitement, que ça soit le soir, que ça soit dans le jour. On t'aime beaucoup, Lucie. T'as une bonne façon pour te faire aimer. Continue, comme ça. Puis, Gilles, il est décédé. Gilles, dans sa façon de vivre, on pourrait demander de nous aider quand on est dans le trou. Ce serait bon de le faire. Je t'aime, Gilles. C'était un vrai bon garçon, vite. Sylvain. Sylvain? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire de Sylvain? Sylvain, comment que je pourrais bien dire ça? C'est mon portrait, quoi. C'est votre portrait? Ça, c'est votre portrait. Fait que vous ressembliez à Sylvain. Et allez-y. Rock, on aime bien ça. Quand tu viens nous visiter. Mais tu pourras parler plus doucement. On a de la misère à comprendre ce que tu dis. Tu parles un peu trop vite. Mais comme être humain, t'es un bon garçon. T'es bon pour celles qui ont resté avec toi. Et t'es bon pour les membres de ta famille. Alors, les enfants et toi, les filles, on vous aime beaucoup. Je t'aime, Rock. C'est vrai. Jacinthe. Elle est bonne. C'est une bonne personne. Mais tu sais pas trop. Ouais. Puis ses filles sont bien fines, mais. Là, elle a un ami, là, Tilly, qui s'appelle. Oui. Saint-Gabriel, Tilly. Ben, si elle peut passer du beau temps avec, ça te laisse, ça va bien. Tant mieux. Sans être sans terre, c'est la dernière des filles. Moi, je l'aime beaucoup. Et son mari aussi. Jimmy Mamazo, un Italien, un contracteur, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, dans les toitures. Ouais. Chantal, les enfants, les filles, les deux garçons, Tonio, Lorenzo, ça, ben oui, toute la famille. Vous êtes aimables, vous êtes plaisants, je vous aime beaucoup. Ayez-en soin. De Chantal, parce que ça en vaut la peine. C'est votre mère, les enfants. Puis soyez contents de l'avoir comme mère. Alors, merci-le beaucoup quand tu as fait quelque chose pour vous autres. Ainsi que Jimmy. Mario, je te dois des félicitations pour le livre que tu es en train d'écrire. Tu n'as pas pensé seulement qu'au présent, t'as pensé au passé.
Ça veut dire que les ancêtres, dans ton livre, sont présents. Comme Pierre, notre ancêtre, que tu as dans le livre, sa femme, Barbe Guyon, qui par les années ensuite est devenue Dion. Ils sont venus à Québec, à l'île d'Orléans, entre les années 1600. Mais seulement que la parenté a continué. Il est décédé, puis son tombeau est au sud de l'île d'Orléans, dans la paroisse Sainte-Famille. Sa magie paradis continue dans le livre de Mario. Mais félicitations, Mario. Je t'aime beaucoup. Martin. Martin, qui est décédé. Ces deux enfants, on les aime bien. On aimerait les rencontrer plus souvent. Samuel et Alicia. Samuel s'est rendu un homme, faites-le. Ouais. Je t'aime, Samuel et Alicia aussi. Alicia est née la journée qu'on s'est mardi, nous autres. Le 12 de mai. Alors, c'est un attache de plus vers vous autres. Samuel et Alicia. Puis, soyez heureux. Toute la gang, et je vous aime beaucoup. Ben, sinon, c'est le dernier, le 19e. Ah oui, je l'aime, Gino, bien sûr. C'est mon dernier. Puis, quand il vient, là, ouais. Ben, lui aussi disait la même chose. Les jeunes qui poussent ont tout un travail à faire. Il y a une société à changer. Pas mal, hein? Hey, puis ça, ben, vous pouvez les aider, vous autres. Vous autres, là-dedans, vous êtes les patrons. C'est les plus jeunes, il va falloir que vous vous relevez, là. Qu'ils comprennent le travail qu'ils ont à faire. Ouais. Puis qu'ils vont être capables de faire. Parce que réellement, là, franchement, ta société, là, faut la changer. Alors, je ne sais pas si c'est seulement que vous autres, avec l'aide de vous autres, que les jeunes vont pouvoir la changer. Ça va leur prendre de l'aide, les petits qui portent. À l'heure actuelle, c'est rendu que c'est l'être humain lui-même qu'il faudrait qu'il change. Alors, pas facile, hein? Mm. Puis les plus vieux, on va pouvoir être capable d'aider ceux qui poussent là, pour former une société d'adultes, une société qui tient debout. Si. Parce que là, la société est comme la température. Vous avez un conseil à donner. Les plus jeunes, de rencontrer les plus âgés. Puis essayer à garder en mémoire, puis s'informer auprès des personnes âgées, comment ils ont vécu, ça a été quoi les vies, puis tout ça. Puis eux autres, à leur tour, quoi qu'ils ont à changer pour que ça devienne une société juste.